parle souvent de pénurie de main-d'œuvre, mais quand on en parle dans les services d'urgence, là, on se met à s'inquiéter un peu. Rupture de service ou problème de service éventuel à la police de Gatineau. En tout cas, c'est ce qu'on laisse croire devant le manque d'effectifs. Steve Spooner est président de la Fraternité des policiers et policières de Gatineau. Monsieur Spooner, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Déjà, la fin mars, vous disiez, on roule sur le fer, on manque de monde. Là, est-ce que je comprends bien que sur 425 policiers, il en manque à peu près 55? Oui, il en manque environ 50, plus les policiers qu'on devrait engager avec le plan d'ajout d'effectifs. Fait qu'on pourrait monter jusqu'à 80 policiers qu'on aurait engagés là, dans la prochaine année. Oh, oui, ça fait beaucoup de policiers, alors que... Partout, on en a besoin de policiers. Sur ce plateau, il y a quelques semaines, j'ai reçu le chef de police de Laval qui s'est déplacé pour lancer un appel. Le SPVM paye la formation pour les futurs policiers. Vous avez de la concurrence pour attirer le monde à venir travailler à la police de Gatineau, hein? Bien, le problème, c'est que c'est pas de la concurrence. C'est que c'est des marchés qui sont plus intéressants pour des jeunes qui sortent de Nicolette, qui ont à rembourser des frais dans un contexte d'inflation. Qui ont à payer des loyers, qui viennent dans la région ici, qui c'est extrêmement élevé, comme, un peu comme à Montréal. Fait que quand on regarde au niveau des conditions les salaires et les conditions de travail dans la convention collective, présentement, il y a des choses qu'on doit grandement améliorer pour devenir beaucoup plus attractif. Oui, c'est ça. Vous avez le salaire d'entrée le plus bas, en tout cas un des plus bas au Québec présentement? Oui, dans les conventions qui ont été négociées, qui sont connues, 2024-2025. On se trouve à être le plus beau au Québec. Bon, est-ce qu'on va... je vous dis tout de suite, on va vous interrompre quelques instants, M. Spooner. Je vois Donald Trump qui s'approche. On revient à vous dans un instant. On va écouter ce que M. Trump a à dire alors que ça amorce une autre journée de son procès. Biden is doing with respect to Israel is disgraceful. If any Jewish person voted for Joe Biden, they should be ashamed of themselves. He's bon, M. Trump fait référence encore aux manifestations pro-palestiniennes. Il dit que si une personne juive a voté pour Joe Biden, elle devrait avoir honte d'elle-même. Because he did it as a political decision. You have to do the right decision, not the political decision. But he did a very bad thing. I just want to let you know that we've just filed a major motion in the appellate division concerning the absolutely unconstitutional gag order. Il revient sur cette interdiction de faire des commentaires. Il dit qu'on restreint ses libertés constitutionnelles. Il y a une motion qui va être présentée. They took a dead misdemeanor, they attached it to a dead alleged federal felony and zapped it back into life. So many of us are just amazed to watch this actually walk into court. Because it's not a recognizable crime that any of us have seen. It's Jonathan Turley. I've been doing this for 60 years, and I don't understand what crime he's been charged with. Nobody understands this. Ouais, alors ici, c'est un spécialiste qui suit ça depuis une soixantaine d'années et qui ne comprend pas pourquoi on amène Donald Trump en cour. That's Alan Dershowitz. And these are people that are, they speak their minds. They're not for me, they're for justice. This is another one. This is without precedent in American history, only with the desperation of President Joe Biden and his fanatic left-wing enforces did it become possible to think about arresting... Mais ça sur le compte du désespoir de Joe Biden et de la gauche radicale. ...must be taken out of Judge Merchant's hands because he's totally conflicted. Judge Merchant is totally conflicted. Alors, il s'en prend encore une fois au juge Merchant. Je vous rappelle que le juge Merchant, la dernière fois, lui a dit « Ça fait 10 fois que je vous condamne à des amendes de 1 000 $. Est-ce que je vais devoir vous envoyer en prison? » A judge is allowing wide scope of information that has absolutely nothing to do with the case. Bon, il reproche cet expert au juge d'avoir permis de l'information qui n'était pas pertinente à ce cas-là. Il fait sans doute référence à ce que Stormy Daniels a dit en détail sur la relation sexuelle qu'elle a eue avec lui. The outside of this building is closed down like Fort Knox. Nobody's ever seen. We have so many police down here, New York's finest, and they are New York's finest. They're just told what to do, but they don't have them at Columbia, they don't have them at NYU or any other places. This is like an armed camp down here.
and you have nothing to worry about. Believe me, your problem is from the left, it's not from the right. Big problem from the left. It's from within our country. That's a bigger, in my opinion, a bigger Alors, il est revenu à cette ces manifestations pro-palestiniennes. Il parle d'un gros problème avec la gauche aux États-Unis. From within is a bigger danger to our country, and it's from in, from the left, not from the right. Qui est un plus grand danger que la droite, selon lui. He said you can't go after political persecutions. This is a shame. This should not be happening in our country. Alors, il revient au procès lui-même en parlant de persécution politique. About attacking Donald Trump and the American voter, it's an attack on both. This is purely and simply election interference. There is no case. Interférence électorale. So that's the way it is. But here we sit after 2.5 weeks, and I think you'll see some very revealing things today. And I want to thank my lawyers. They've done a very good job, but I'd rather thank them after it's over, as opposed to now. Il promet des choses assez révélatrices en cours aujourd'hui. Il remercie ses avocats. Should have never been brought. Alvin Bragg didn't want to bring it. Cy Vance didn't want to bring it, and he didn't. He left. He didn't bring it. Everybody's looked at it. Southern District didn't bring it. Federal elections didn't bring it. It's also a federal case, not a state case, which they're not allowed to do. Alors, il revient sur les autres causes qui lui sont prochaines. I just want to thank you for being here, and we'll see you later in the afternoon. Thank you very much. Alors, Donald Trump qui y va, variation sur un thème connu, là, c'est un peu toujours les mêmes arguments. Cette fois-ci, il citait, selon lui, des experts qui l'appuient et qui disent qu'il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de cause, finalement. Il n'y a pas de fond dans cette cause concernant Stormy Daniels. On revient, M. Spooner. Je m'excuse de vous avoir interrompu, M. Spooner. Donc, quand... vous avez savouré le moment. quand on parle, M. Spooner, d'une rupture de service ou d'un problème d'effectif pour la police, ça peut inquiéter des gens. Est-ce qu'il va manquer de policiers sur le terrain? Je sais que vous l'avez déjà vécu l'été passé. Comment on s'organise dans ce temps-là? Bien, c'est ça qui arrive, c'est que c'est un gros discours politique parce que là, on joue sur les mots, mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on manque de police. On va tenir ça simple, là. On manque de police. Il y a des plans de couverture qui ont été établis dans notre convention collective qui fait que tant de policiers devraient couvrir notre territoire. Puis c'est arrivé l'été passé à plusieurs reprises, puis ça a déjà commencé depuis le début de l'année, au mois d'avril. On n'est même pas en période estivale. Puis on commence déjà à avoir en dessous des minimums de la convention collective. Fait qu'on se retrouve où il y a des secteurs qui sont pas patrouillés pendant des périodes de temps. Puis ça, pour nous autres, c'est alarmant parce que les citoyens n'ont pas le service à quoi ils doivent s'attendre. Oui, c'est toujours inquiétant. Et là, on ramène aussi sur le terrain des gens qui n'étaient pas sur le terrain depuis des années. Bien, écoutez, l'initiative, ça avait commencé à un moment donné. On avait fait une modification à l'horaire. Il y avait une modification de plat de patrouille. On était en période d'essai. Fait que là, on avait demandé un peu de mobilité, de la flexibilité dans nos horaires pour ramener des gens dans les périodes occupées. On a fait ça. Après ça, il y a des gens du syndicat qui ont commencé à aller faire des relèves avec les gens de la gendarmerie pour s'assurer comment ça se passait puis si on fait améliorer le tout. Fait que dans ces périodes-là, on a eu le directeur puis certains membres qui étaient venus de façon aléatoire, qui étaient planifiés. Mais là, présentement, c'est ça, sur là, 2-3 semaines, le directeur en mode réaction. On va nous dire le contraire des médias, mais moi, je parle avec les gens là, qui sont sur le territoire, là, la surveillance du territoire. Puis en mode réaction, le directeur, avec un de ses écartes, avec lui, sont rentrés pour combler. Il nous manquait 4 personnes pour respecter le minimum, puis il est rentré. Fait que c'est, comme on dit, c'est un beau geste de sa part, mais c'était en mode réaction au manque d'effectifs, puis déjà que ça a commencé. Oui, peut-être que vous n'aurez pas le choix éventuellement, vous aussi, de payer la formation pour attirer des futurs policiers chez vous. Qui sait, hein? Bien, on sait que ça se fait en Ontario maintenant. Puis c'est des discussions qu'on avait dans... On a eu des discussions depuis octobre avec la direction. Puis c'est une des suggestions qu'on nous avait faites, comme Montréal fait. Puis il y a également Blainville, je crois, qu'il fait présentement. Bon, bien, en souhaitant que ça puisse être géré de façon acceptable et pour les citoyens, que ça se passe de façon sécuritaire, M. Spooner, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.